La population qui vit dans les pays musulmans est très jeune et son pouvoir d'achat est important. Dans cette crise économique et financière qui met en question l'existence de nombreuses sociétés, nous estimons que se tourner vers ces marchés que nous n'avons pas visés jusqu'alors peut se révéler comme une stratégie excellente. Nous exportons nos produits dans une vingtaine de pays. Cette année, nous avons obtenu le certificat halal et ça nous a beaucoup aidé à augmenter nos ventes, notamment dans les pays scandinaves. Il ne faut pas voir le halal comme quelque chose qui va accélérer instantanément la production et faire augmenter le profit d'un jour à l'autre. C'est une façon d'améliorer la qualité des produits et de créer les conditions pour la croissance lorsqu'on parviendra sur d'autres marchés à l'étranger.